Bonjour à tous, bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Salut Jérôme. Salut Marie, puis salut tout le monde, tous ceux qui se connectent. Oui, tous ceux qui nous suivent ici au Québec et partout en francophonie. On sait qu'il existe tellement de contenu sur Internet, yes. Mais merci d'avoir choisi d'être avec nous ce matin. J'espère que vous allez bien. Toi, Jérôme, est-ce que ça va bien? Écoute, ça va bien avec les terrasses qui réouvrent, le soleil, yes. L'été, les vacances, donc ça va très, très bien. Et toi, comment tu vas? Moi aussi, ça va super bien. On entame le mois de juin, qui est un gros mois pour Nouvelle yes, Vie. C'est vrai. C'est le retour en présentiel, puis ce matin, d'ailleurs, c'est un matin spécial pour Nouvelle Vie La Prairie. Exactement, ça fait plus d'un an qu'on est en ligne maintenant, et Nouvelle Vie La Prairie réouvre ce matin. Yes. Donc, on est vraiment contents pour vous. Pasteur Ben et Sophie sont vraiment excités à l'idée de reprendre et de vous revoir. Donc, on est vraiment contents pour vous. Exact. Puis notre tour s'en vient ici à Nouvelle-Ville-Longueuil aussi. On lâche pas. On l'attend avec impatience. Moi, ce qui me manque tellement, là, ce que j'ai le plus hâte, c'est de retrouver les moments de louange, tout le monde ensemble dans le sanctuaire. Quand on vit le moment de communauté, il y a tellement de puissance, je trouve, dans ces moments-là. Toi, Jérôme? Ceux qui chantent bien, ceux qui chantent faux aussi, d'ailleurs. Mais, même eux, ils me manquent. Exactement. Mais moi, ce qui manque le plus, c'est vraiment vivre l'Église après la réunion, voir les gens, apprendre à connaître des nouvelles personnes, c'est voir tes amis, tu sais, vraiment être ensemble. Donc ça, ça me manque vraiment. J'ai vraiment hâte de revivre ça. Exact. Ce matin, on a une extraordinaire réunion de planifier pour vous. On est en live sur 3 plateformes, sur Facebook, YouTube et live.nouvellevie.com. Yes, on continue notre série justement « Entends, écoute, réponds ». Dieu t'appelle, Dieu vous appelle, Dieu t'appelle Marie, Amen. Dieu m'appelle. Il nous appelle à faire une différence dans ce monde et on a l'honneur d'avoir pasteur Daniel Descaries qui va nous apporter le message sur le pardon. Vraiment hâte d'écouter ça. Hey, moi aussi, parce que Daniel Descaries, c'est vraiment un ami proche de la famille Nouvelle Vie. En plus d'être pasteur, il est psychothérapeute, puis il s'est promené un peu partout dans la francophonie. Fait probablement que vous le connaissez également, vous aussi, à la maison. Puis on connaît tous quelqu'un, honnêtement, qui a déjà consulté Daniel Descaries, tellement il est bon. Il a changé des vies, puis ce matin, il nous apporte un message puissant que j'ai tellement hâte d'écouter. Ça vraiment. Va être excellent, ben c'est oui. sûr. Vraiment d'accord avec toi, Marie. Puis pour ceux qui ne savent pas comment ça se déroule, une réunion, c'est très, très simple. On va avoir au début une période de chant. On va chanter envers Dieu pour le remercier pour sa fidélité dans nos vies. Ensuite, on aura un temps d'annonce, un temps de vie d'église pour voir tout ce qui prend place durant la semaine, à Nouvelle Vie, mais aussi par rapport au mois de juin, par rapport au retour en présentiel. Ouh. Ensuite, le message de pasteur Daniel Descaries. Et on viendra avec Marie pour conclure la réunion et vous souhaiter une très bonne semaine. Yes. Donc, sans plus tarder, on vous souhaite une bonne réunion. Une excellente réunion. Yes. Bonjour, bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. On va déclarer ensemble qu'il est notre Dieu. C'est pourquoi on le célèbre aujourd'hui dans Let's Go ensemble. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Toi seul les consolera, car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel, tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh,
Alléluia, Jésus. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Seigneur, est-ce qu'on veut chanter? On veut dire gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Hey. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. De toi, Seigneur.
notre prière. Sauveur fidèle,
maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort. Chante-le avec nous. Et maintenant je vois, comme une prière. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort. Seigneur, on déclare qu'en ton nom, Seigneur, et par la croix, nous avons la vie. Et tout ce qui est mort en nous reprend vie maintenant, alors qu'on invoque ton nom. Jésus-Christ, roi des rois, fils de Dieu, tu règnes sur nos vies et tout ce qui est mort en nous, tu lui rends la vie. Seigneur, tu rends la vie à des rêves qui ont été oubliés. Tu rends la vie à des appels qui ont été avortés. Seigneur, tu rends la vie à tout ce qui est mort en nous. Et par un mot, Seigneur, tout peut reprendre vie. Maintenant, Seigneur, on te prie. Pour que ce qui est en nous, Seigneur, soit à ta gloire en toutes choses, en toute situation. Seigneur, on te remet chaque projet dans nos vies. Chaque sphère de nos vies, Seigneur, on te les remet. Seigneur, on te dit que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, que le mal soit enlevé de nos vies, Seigneur, et que ta vie et que ta lumière brillent dans nos cœurs. Et que nous, que nos couples, que nos familles, que partout, Seigneur, où nous allons, Seigneur, tu puisses briller au travers de nous. Merci parce que tu réveilles, Seigneur, quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu ressuscites, Seigneur, spirituellement quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un puisse entendre ta voix maintenant et qu'il dise, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, me ramenant à la vie. Merci parce que tu vis en nous et nous vivons en toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Quel moment de worship magnifique. Vous savez, cette équipe d'adorateurs n'est pas là pour faire un spectacle ni pour faire un vidéoclip. Ils sont là pour adorer Dieu avec vous, vous conduire dans la présence de Dieu. C'est un alliage magnifique de talent, de passion et de cœur pour Dieu. Je les remercie pour ces moments magnifiques qu'on vit ensemble à chaque semaine. Et alors qu'on se prépare officiellement, on vous en dit un mot dans un instant, à revenir sur tous nos sites en présentiel dans le mois de juin. On s'arrête pour célébrer comment l'année de pandémie, malgré le fait qu'on n'était pas ensemble, a été une année de croissance, une année de multiplication. Imaginez, au début de la pandémie, il y avait une douzaine de milliers de personnes qui nous suivaient, qui étaient abonnées à notre chaîne YouTube. Maintenant, plus de 75 000. Au rythme de croissance actuel, on a comme objectif d'être plus de 100 000 personnes abonnées à la chaîne YouTube de l'Église Nouvelle Vie. Des centaines de personnes qui sont baptisés, qui passent par les eaux du baptême. Notre prochain baptême est le 13 juin. On va avoir des baptêmes tout l'été. Si vous voulez, vous aussi, être baptisé, c'est important. Quelle expérience magnifique dans votre chemin, cheminement de foi. Vous allez simplement vous inscrire à nouvellevie.com/baptême. Il y a aussi nos groupes Nouvelle Vie en Zoom, des gens qui se réunissent en Zoom, qui ont connu une explosion en ligne. Plus de 200 groupes maintenant, plus de 2000 personnes qui se réunissent sur une base régulière en Zoom pour vivre les 3 C de l'Église Nouvelle Vie. Connaître, connecter et contribuer encore plus intensément. Et plein de gens qui nous suivent, qui se sont joints à un groupe en Zoom, qui sont même encore jamais venus à Nouvelle Vie en personne. Et nous vous l'annonçons, nous revenons en personne sur tous nos sites. Quelle joie de vous dire que nous sommes revenus en présentiel en ce moment sur Nouvelle Vie à La Prairie, aujourd'hui même, mais aussi à Drummondville et Nouvelle Vie, aussi à Charlevoix. Ils sont en zone orange, on doit à 100 personnes. Alors, on a plusieurs réunions par dimanche sur ces différents sites pour Longueuil et pour Nouvelle-Vida. Nous attendons la confirmation le 14 juin. Il va être annoncé qu'on passe en zone jaune qui nous permettrait d'avoir 250 personnes
par réunion. On aura plusieurs réunions, 3 ou 4 à Longueuil dès le commencement et Nueva Vida qui va suivre. Et on se donne comme date du 27 juin. Dimanche, le 27 juin, on devrait revenir en présentiel. Suivez bien toutes nos annonces sur les médias sociaux. Un hebdo spécial qu'on va vous préparer dans les prochains jours pour vous dire comment vous inscrire, comment venir vivre ces moments-là ensemble. Je vais être là à Longueuil pour non seulement vivre la louange, la prédication, la prière avec vous, être là pour même pas vous serrer la main, juste vous saluer en personne. On va vivre quelque chose d'extraordinaire alors qu'on va être de retour. Et peut-être aussi vous demander de prier. Nous avons fait parvenir une lettre officielle, non seulement au nom de Nouvelle Vie et de l'ACF, mais du Réseau des évangéliques du Québec qui rassemble plusieurs familles d'églises, une quinzaine de familles d'églises. On a écrit une lettre à notre premier ministre et aussi à toute la santé publique. La lettre va être disponible dès demain. Vous allez pouvoir la lire sur Facebook où on fait nos demandes spécifiques. En particulier, nous voulons avoir le droit de nous rassembler de manière proportionnelle à la grandeur de la salle dans laquelle nous nous retrouvons, ainsi que quelques autres demandes spécifiques. Allez voir ça sur notre page Facebook. Partagez-la avec tous. Écrivez vous-même à vos députés. C'est le temps de revenir en présentiel en plus grand nombre sur tous nos sites à Nouvelle Vie. Alors que la saison des vacances approche, l'organisme Action Nouvelle Vie n'est jamais en vacances. Continue à rejoindre plus de 15 000 personnes à tous les mois à travers sa banque alimentaire, une pléiade d'autres services. L'énoncé de mission de l'organisme Action Nouvelle Vie. Action Nouvelle Vie apporte une aide concrète de façon humaine aux personnes en difficulté en mettant une emphase sur le bien-être des enfants et des jeunes afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'insuffler l'espoir. Pour les milliers qui sont nouveaux sur Nouvelle Vie chez vous, regardez cette vidéo Action Nouvelle Vie en une minute. Je ne savais pas à quoi m'attendre, non, effectivement. J'espérais juste un petit peu, puis on m'a donné énormément. Tout continue, même l'été, pour l'organisme Action Nouvelle Vie. Par exemple, cette semaine, c'est les inscriptions qui s'ouvrent pour leur grand événement Retour à l'école. Ça va avoir lieu le 20 août, mais les inscriptions commencent maintenant. Retour à l'école d'Action Nouvelle Vie, où ils distribuent des sacs à dos neufs, des articles scolaires, des vêtements et souliers à temps pour la rentrée scolaire pour des milliers d'enfants. Il est à noter que les places sont réservées aux clients de la Banque alimentaire d'Action Nouvelle Vie, mais tout ça est seulement possible à cause de votre générosité, votre engagement, même pendant les mois estival. Alors, est-ce que je peux vous demander de ne pas oublier votre soutien à l'organisme Action Nouvelle Vie pendant les mois d'été? Il y a 3 façons de donner simple et sécuritaire: en textant « don » au 438-500-3847, en visitant le site don.nouvellevie.com et par virement Interac à don@commercialnouvellevie.com. Quelle joie ce matin d'accueillir le pasteur Daniel Descaries. Il est un pasteur avec nous à Nouvelle Vie depuis de nombreuses années. Depuis plus de 25 ans, il est aussi psychothérapeute, conférencier, professeur à l'Institut de théologie pour la francophonie, qui est accrédité par l'Université Laval dans le programme de baccalauréat et de maîtrise. Il fait partie de notre équipe et dans le cadre de notre série de messages « Entends, écoute et réponds, Dieu t'appelle ». Son message ce matin, l'appel au pardon. Le pardon pour moi, c'est d'abord et avant tout un acte de volonté, un acte de choisir, un acte de décider de déchirer une page, décider d'effacer une dette, d'effacer le passé, en quelque sorte. Le pardon pour moi, c'est de reconnaître, d'une certaine manière, l'état de l'autre personne. Comprendre que l'autre personne est juste humaine et puis qu'elle est faillible. Puis vraiment, je pense juste avoir une compassion pour,
pour l'autre personne ce qu'elle vit, en fait. Si elle t'a offensé, c'est qu'elle est elle-même blessée. Pour moi, le pardon, c'est le fait d'enlever tout sentiment de vengeance et de rancune de notre cœur et de vraiment laisser Dieu venir et guérir notre âme. Le pardon, je crois que c'est en même temps un cadeau que vraiment tu lui fais, pour même la guérir. Et j'aime bien cette citation d'un philosophe français, Jacques Derrida, qui dit que « bien que le pardon nous amène vers le passé, il nous conduit aussi encore plus vers l'avenir ». Bonjour Nouvelle Vie, quelle joie pour moi d'être avec vous. Je remercie Pasteur Claude de l'opportunité de pouvoir vous apporter un message. Dans la série « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle ». Et aujourd'hui, j'aimerais aborder l'appel au pardon. Vous savez, quelqu'un a déjà dit « l'erreur est humaine, mais le pardon est divin ». Car humainement parlant, le pardon, ce n'est pas la première réaction qui vient dans nos cœurs, dans notre âme. Lorsqu'on vit une injustice, lorsqu'on vit une souffrance, lorsqu'on nous fait mal ou on nous fait quelque chose, la réaction humaine, ce n'est pas d'aller vers le pardon, c'est souvent d'aller vers la vengeance. Parce qu'il y a la loi dans le cœur de l'homme qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». C'est la loi qui nous habite en tant qu'être humain. De se tourner vers la vengeance pour corriger une injustice que j'ai subie. Certains ont voulu augmenter, avoir une certaine hauteur morale dans le sujet du pardon. Et le philosophe Emmanuel Kant a écrit, il a suggéré, « Une personne devrait être pardonnée seulement si elle le mérite. » Alors, il y a quand même le côté de mériter le pardon. Mais Jésus, lui, nous lance un appel à une autre loi, une loi divine. Et le texte de base ce matin, c'est Marc chapitre 11, le verset 25, et c'est écrit ceci. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, » c'est Jésus qui parle, « si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Jésus nous appelle à une loi plus élevée que la loi humaine de la vengeance. Il nous appelle au pardon. Le pardon pour soi-même, le pardon pour son prochain. Et quand je pense au pardon que j'ai reçu à l'œuvre de la croix, Jésus, lorsque je regarde Jésus à la croix pour mon pardon, et que j'entends Jésus dire, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je suis confronté à la demande de Jésus aussi de pardonner, mais c'est là que je vais y trouver la force de pardonner mon prochain. C'est là que je vais trouver l'inspiration, mais plus qu'une inspiration, plus qu'un exemple, une puissance, une force pour pouvoir libérer celui ou celle qui m'a blessé. Pourquoi est-ce que je devrais pardonner? Shakespeare a écrit dans « Marchand de Venise » « Comment peux-tu espérer la miséricorde, le pardon, si tu n'en donnes pas? » George Herbert, qui était un poète chrétien et qui était un pasteur au 17e siècle, a écrit ceci. « Celui qui ne peut pardonner son prochain détruit les ponts sur lesquels il aura lui-même besoin de traverser. » Jésus le dit ainsi dans le chapitre 6 de l'Évangile de Luc, alors qu'il est sur le sermon sur la montagne. Il dit « Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugé. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamné. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonné. » En d'autres mots, ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que Jésus nous enseigne, c'est que le pardon produit le pardon. Le produit embarque dans le cycle du pardon, de la miséricorde. Et le pardon, c'est une puissance qui libère l'être humain. Lewis Smith, qui est un psychologue chrétien, a écrit ceci. « Pardonner, c'est de libérer un prisonnier et de découvrir que ce prisonnier était nous-mêmes. » C'est ça, pardonner. C'est libérer un prisonnier, mais de réaliser que c'est moi qui étais prisonnier. Et ce matin, j'aimerais donc regarder à comment pardonner. Mais juste avant, j'ai juste quelques petites notes pour, avant d'aller dans le centre, dans le cœur du message. Dans le mot « pardonner », premièrement, c'est important de réaliser qu'il y a le mot « donner ». Le pardon, c'est un don de soi. Je t'offre quelque chose, je te donne quelque chose. Et c'est un don envers son prochain. Donc, ça dépense d'être mérité et ça dépense aussi d'être exigé. Je ne peux exiger que quelqu'un me demande pardon.
Je peux offrir mon pardon, mais je ne peux l'exiger de mon prochain. Deuxième note, le pardon peut être aussi un processus. Trop souvent, on banalise dans les cercles chrétiens. Bien souvent, on va banaliser. Tu as juste à pardonner, demande pardon, puis on tourne la page. Non, le vrai pardon, c'est quelque chose qui nous amène à aller en profondeur, autant l'offensé que l'offenseur. On va le regarder dans quelques instants. Mais de réaliser là, que ce n'est pas banal, ce n'est pas en surface le pardon, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait. C'est une réflexion, c'est un processus, c'est un travail intérieur qui nous amène à une conviction ou qui nous amène à un relâchement de pardonner son prochain. Et la troisième, c'est, étant donné que c'est un travail en profondeur, je vais avoir souvent besoin de l'aide de Dieu pour marcher selon la loi divine du pardon. Humainement, je ne pourrai y arriver parce que la loi humaine, œil pour œil, dent pour dent, va vouloir se manifester. La seule façon que je peux la remplacer, c'est avec l'aide de Dieu, qu'il me donne cette aide pour pouvoir pardonner celui qui m'a offensé. Alors, comment on peut pardonner? J'aimerais vous proposer quatre étapes simples, mais en même temps qui vont nous amener à aller en profondeur. La première étape, c'est de valoriser mon prochain. Dans le livre de la Genèse, au verset 27, dans le premier livre, c'est écrit « Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » L'être humain a le droit d'être valorisé, d'avoir une grande valeur, pour le simple fait qu'il est un humain. Peu importe sa couleur de peau, peu importe sa race, peu importe sa culture, peu importe sa langue, peu importe son genre, peu importe son style de vie, homme ou femme, peu importe. L'être humain a une grande valeur dans le fait que tout être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'être humain et nous sommes créés à son image. Et donc, tout être humain mérite d'être valorisé. Ça l'amène au respect d'autrui, d'avoir un respect pour son prochain. Mais aussi, lorsqu'on est forcé d'admettre que lorsqu'on regarde qu'on a été créé à l'image de Dieu, les êtres humains ne sont pas parfaits. On est tous déchus. On est tous imparfaits. Et ce n'est pas seulement les autres qui sont imparfaits, qui sont déchus. C'est moi aussi. C'est chacun de nous. Nous sommes des êtres imparfaits. C'est pour cela que Jésus nous a enseigné dans le Notre Père, dans Matthieu 6, le verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous comme nous pardonnons. Nous reconnaissons l'humanité de mon prochain. Jésus va même aller plus loin que juste pardonner notre prochain, juste valoriser notre prochain. Il va nous dire d'aimer notre prochain, d'aimer notre prochain. Donc, pour commencer le processus de pardon, je dois réaliser la valeur de l'autre, voire même l'aimer, et ce, malgré ses imperfections. Je dois donc prendre le chemin de l'humilité pour entrer dans le chemin du pardon, de valoriser que l'autre être humain n'est pas parfait, mais que c'est une créature de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu, lui aussi, elle aussi. La deuxième étape, c'est abdiquer mon droit de vengeance. Dans Romains 12, les versets 17 à 19, on lit ceci. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, faisant référence à la colère de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Lorsque je pardonne quelque chose, ce n'est pas que j'ai oublié l'offense qui m'a été faite. C'est normal de ressentir de la colère, un désir de vengeance envers quelqu'un qui m'a fait mal, d'avoir le goût de se venger. Sinon, je ne peux pas l'abdiquer. Le pardon, c'est abdiquer mon droit de vengeance. Mais avant, je dois goûter, je dois ressentir, je dois admettre les émotions que je peux ressentir, que ce soit la colère, que ça peut être la tristesse d'avoir été victime de quelqu'un alors que je ne le méritais pas, et de sentir la tristesse, de ressentir la douleur. J'ai le droit à mes émotions lorsque j'ai été offensé. La clé, c'est de redonner ces émotions-là, de redonner cette colère-là, de redonner cet esprit de vengeance, la redonner à Dieu.
c'est pas de la nier. Parfois, on veut trop le faire rapidement. On pardonne, puis on passe à autre chose. Non, attends. J'ai vécu une injustice ici. Là. Il y a des émotions qui sont là. Alors, j'ai le droit de vivre en les redonnant à Dieu. Souvent, c'est par l'écriture qu'on peut le faire. D'écrire notre sentiment, notre valeur, notre colère, notre souffrance, notre peine, et de redonner à Dieu. Souvent, je vais suggérer à des gens qui viennent me voir en thérapie, je vais leur suggérer d'écrire et de brûler. Brûle ce que tu as écrit. Lorsque tu vois la fumée qui monte au ciel, c'est comme si toute ta souffrance, ta douleur, ta rage, ta colère s'en va vers Dieu. Ce n'est pas un concept nouveau, ce n'est pas un concept nouveau de la psychologie moderne. Au contraire, quand je regarde le psaume 58, le verset 7, j'entends et je lis David qui dit « Oh Dieu, il parle de ses ennemis, « Oh Dieu, brise-leur les dents dans la bouche! » C'est quand même assez clair qu'est-ce qu'il est en train de dire. Hein? On sent sa colère, on sent sa rage, on sent sa vengeance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il la redonne à Dieu. Il la redonne à Dieu, ce désir, ce sentiment. Tu vois, le pardon, ce n'est pas un déni de ce que l'autre m'a fait. C'est pas ça, le pardon. C'est pas tourner la page, puis on ferme les yeux, puis il m'est pas arrivé une injustice, il m'est pas arrivé une souffrance. C'est pas ça, le pardon. J'admets ma douleur. J'admets l'injustice que j'ai vécue. J'admets les sentiments qui vont émerger. Mais je remets la personne qui me fait mal, ou les circonstances, je remets cette personne-là entre les mains de Dieu. C'est ce que Paul a dit aux Romains. Dieu va s'occuper de la personne. Dieu va faire justice. Dieu va faire rétribution. Comme David, il dit à Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Hein? Il dit à Dieu de s'en occuper. De remettre la personne qui m'a fait mal, qui m'a blessé, entre les mains de Dieu. Et de ce fait, lorsque je fais cela, j'évite la prison de la rancune. Tu sais, la rancune, c'est quand quelqu'un m'a blessé et que j'en veux à la personne. Et c'est comme si je prends la personne, je la mets dans un cachot et je m'assis devant la porte du cachot pour m'assurer que la personne ne sortira pas. Après un certain temps, il va y avoir une prise de conscience qui va émerger que si je suis devant la porte du cachot, ça veut dire que moi aussi, je suis en prison. Moi aussi, je reste en prison. Et la réalité, c'est que bien souvent, la personne qu'on pense garder dans un cachot continue de vivre sa vie librement. Le seul qui est en prison, c'est nous. Tu vois, quand je pardonne, ça m'évite de rentrer dans la prison. C'est comme si je m'assoyais devant la porte du cachot, la personne est là qui me fait mal, et c'est comme si je disais à Jésus, « Jésus, viens prendre ma place ici, là. Moi, je veux vivre ma vie. Viens prendre ma place. Toi, fais justice. Toi, prends la personne entre tes mains. Je peux te faire confiance que ta justice, elle est droite et elle est pure. Tu connais tout et tu as tout vu, ce qui m'a été fait. » L'amertume qui peut grandir suite à la rancune, hein? L'amertume qui vient corrompre toutes nos relations parfois autour de nous. L'amertume, c'est comme boire du poison et de penser que c'est l'autre personne qui va être malade. Alors que c'est moi qui est en train de s'autodétruire. Donc, indépendamment si l'autre m'a demandé pardon ou pas, je suis pas une victime impuissante, mais je décide d'abdiquer mon droit de vengeance. J'aurais le droit de me venger, mais je choisis de l'abdiquer puis de le remettre entre les mains de Dieu et de relâcher l'emprise que l'autre a sur moi. C'est ça le pardon. J'ai le droit de me venger, j'abdique mon droit. Et là, j'enlève toute l'autorité, toute l'emprise que l'autre personne a sur moi parce que je l'ai remis maintenant entre les mains de Jésus. Je n'ai pas besoin que l'autre me demande pardon pour faire ceci. Je choisis de pardonner. Avec l'aide de Dieu, je choisis de dire, « Seigneur, prends la personne qui me fait mal. Prends la personne qui m'a blessé. Prends la personne qui m'a abusé. Et qu'elle te rende des comptes pour ses comportements envers moi. Que cette personne n'ait plus d'emprise sur moi. » Je veux sortir de la prison. Je veux sortir de la prison. Tu sais, il y a des fois qui sont dans nos vies. Il y a des gens qui sont décédés aujourd'hui. Tu as besoin de les relâcher. Ils t'ont fait mal. C'est vrai, Dieu a vu. Tu as besoin de les relâcher aujourd'hui. C'est entre les mains de Dieu maintenant. Moi, je peux être libre. Je sais que sa justice va être bonne. Ce qui m'amène à la troisième étape. La troisième étape est celle de reconstruire la confiance. Reconstruire la confiance. Pardonner ne veut pas dire qu'on continue dans une relation abusive aveuglément.
Ça ne veut pas dire parce que je t'ai pardonné qu'on continue comme si rien ne s'était passé. Non, il y a quelque chose qui s'est passé parce que j'ai besoin de réaliser que lorsque une injustice m'est faite, je peux te pardonner, mais j'ai perdu confiance en toi. C'est la confiance qui a besoin d'être reconstruite. Souvent, j'entends des couples qui viennent me voir et j'entends un des deux couples, un des deux conjoints me dire ceci. Elle m'a dit qu'elle m'a pardonné, mais je te garantis qu'elle n'a pas oublié. Bien, tu vois, la réalité est, l'être humain n'a pas la capacité d'oublier. On n'a pas été créé pour oublier. Au contraire, on emmagasine souvenir après souvenir, mémoire après mémoire, événement après événement. Boris Cyrulnik est un psychiatre français, l'a écrit comme ceci. Sans la mémoire des meurtrissures du passé, nous ne serions ni heureux ni malheureux, car l'instant serait notre tyran. En d'autres mots, lorsque je perds souvenir de ce que j'ai vécu, je ne peux pas trouver le bonheur ni le malheur, parce que je suis sous le règne du tyrannique du présent. Si tu regardes des gens qui souffrent, par exemple, d'Alzheimer, on ne les cite pas comme exemple de pardon. C'est des gens qui souffrent parce qu'ils ont perdu la mémoire, souvent la mémoire à court terme. Pardonner, ce n'est pas oublier. Et j'ai besoin de réaliser que lorsque je pardonne, je remets la personne entre les mains de Dieu, mais maintenant, on a besoin, si la relation est pour continuer, on a besoin de rétablir la confiance parce que tu m'as fait mal. Et la première étape pour reconstruire la confiance, c'est que l'autre reconnaisse qu'il m'a fait mal. Si tu ne reconnais pas que tu m'as blessé, comment puis-je te faire confiance que tu ne le feras pas à nouveau? La première étape, c'est que tu vas admettre. Je te demande pardon, je t'ai blessé. Ça va être la première étape. Sinon, il pourrait recommencer. Et Dieu ne m'appelle pas juste à être persécuté, à souffrir et à souffrir et à souffrir, à maintes reprises et dire, mais non, pardonne, non, pardonne, non, pardonne. Non, il faut que je rende l'autre personne redevable et de dire, l'autre personne a un rôle dans notre relation, et là, il y a un effort de reconstruire la confiance qui doit prendre place. C'est comment savoir si la personne est vraiment intéressée à reconstruire la confiance avec moi? Je te propose les trois R. J'appelle ça les trois R de la repentance, et c'est basé sur le psaume 51. Le premier R, c'est responsabilité. La personne prend responsabilité pour ses actions et ses gestes. Pas d'excuses, pas à cause de si, se justifier, non, je t'ai blessé. Je t'ai fait mal. J'en prends responsabilité. David a dit, j'ai péché contre toi, ô Dieu. J'ai péché. David ne met pas le blâme sur la femme, ce que Adam avait fait, hein, la femme que tu m'as donnée, Adam a dit à Dieu, à propos de Ève. David ne blâme pas les forces démoniaques, ne base pas les esprits méchants. Non, il prend responsabilité. Non, c'est moi. J'ai commis cet acte-là. Il prend responsabilité. Le deuxième R, c'est le regret. Et je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que je t'ai fait. Je regrette la blessure que je t'ai causée. Je la regrette. Mais ça n'arrête pas là. Parce que bien souvent, j'entends des gens de dire, « Oui, je l'ai fait. Oui, je le regrette. Mais que veux-tu? Je suis fait comme ça. » Ce n'est pas de la vraie repentance. Parce que le troisième R d'une vraie repentance, c'est le rejet. Le rejet de l'action que j'ai fait envers toi. Je m'engage à faire les efforts nécessaires pour ne pas recommencer. David va le dire comme ceci dans le psaume 51. « Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » En d'autres mots, Dieu vient transformer, que je ne réplique plus le geste que j'ai fait, le péché que j'ai fait, la douleur que j'ai fait souffrir. Aide-moi à rejeter ce comportement-là. Aide-moi à rejeter. Et là, je suis face à de la vraie repentance. Là, on peut commencer à reconstruire une confiance. Et la confiance, elle se gagne dans les petites choses. Jésus a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, alors je te donnerai les grandes choses. C'est dans les petits détails que la confiance, elle se gagne. C'est comment j'agis avec les choses des autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un qui vous raconte toutes sortes de choses que quelqu'un lui a confiées. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas le goût de me confier à cette personne-là. Je vois que la façon qu'elle traite l'information qu'elle a de quelqu'un d'autre, elle va faire la même chose avec mes informations que je vais lui confier.
que les gens marchent dignes de confiance quand ils pensent que personne ne les voit. C'est comme ça qu'on regagne la confiance. On regagne la confiance avec les actions qui confirment mes paroles. Ce n'est pas juste les paroles qui sont prononcées, mais c'est mes actions qui viennent. Le fruit, comme Jésus a dit, hein? C'est avec le fruit que tu vas connaître l'arbre. Pas juste les paroles, je n'ai pas juste prononcé des belles paroles. Mes actions suivent et soutiennent mon engagement. Donc, le pardon, ce n'est pas d'oublier le passé et le pardon n'est pas l'équivalent de la confiance. Et c'est pour ça que quand j'abdique mon droit de vengeance, il va falloir du temps, il va falloir des efforts pour explorer la possibilité de restaurer la relation, de reconstruire la relation. Tu sais, bien souvent, je donne l'exemple suivant. Si je te donne un coup de couteau dans la jambe et qu'après mon geste, je me rends compte de l'impulsivité de mon geste et que je te dis, je te demande pardon, j'en prends responsabilité, là, c'est moi qui l'ai fait, je le regrette énormément et je vais faire tous les efforts pour ne pas te redonner un coup de couteau dans la jambe. Tu pourras, hein, avec un élan de foi, dire « Oui, Daniel, je te pardonne. » Mais il va y avoir deux choses. La première chose, c'est que tu vas être très nerveux si j'ai encore un couteau proche de moi. Parce que la confiance, elle n'y est pas là. J'ai besoin de regagner ta confiance. Ça va prendre du temps pour regagner ta confiance. Mais la deuxième chose, c'est que même si tu me pardonnes sur le moment, tu vas sortir en boitant de mon bureau. Tu vas sortir, tu vas avoir encore mal, parce que la plaie va être encore là. Ce n'est pas que tu ne m'as pas pardonné. Tu m'as pardonné, mais tu as encore mal. C'est encore douloureux pour toi. Et j'ai besoin d'accorder le temps pour guérir, l'effort de guérir et mes efforts de reconstruire une relation. Et ensuite, la quatrième étape, c'est celle de regarder vers le futur. De regarder vers le futur. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans Philippiens. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » La réalité est, si je veux marcher dans les voies du pardon, il y a un moment où je dois me tourner vers le futur. Quand j'ai reconnu l'humanité de l'autre, sa valeur en tant qu'humain, qui n'est pas parfait, et que je me suis dégagé de mes émotions, je me suis dégagé de mes sentiments de colère, de vengeance, de tristesse, de douleur, et que j'ai abdiqué ce droit de vengeance, je dois me tourner vers le futur maintenant. Ce n'est pas que j'ai oublié mon passé, je ne l'ai pas oublié mon passé, mais je choisis de regarder vers demain. Mon passé, il est là. Je vois les impacts encore sur moi aujourd'hui, les blessures, les cicatrices. Mais je choisis avec l'aide de Dieu de regarder vers demain. Et c'est ici que parfois, on doit faire le deuil de certaines relations parce qu'il n'y a pas eu d'effort ou d'admission de l'autre côté. Je peux te pardonner, mais s'il n'y a pas d'effort de ton côté, s'il n'y a pas ce désir de dire « Daniel, je veux restaurer ma relation avec toi », il y a possibilité que j'ai besoin de faire le deuil de cette relation-là, qu'on ne pourra pas être en relation. Ça ne veut pas dire que je te veux du mal, ça ne veut pas dire que je ne t'ai pas pardonné, ça veut simplement dire que j'ai choisi de me protéger. Jésus nous a enseigné d'aimer son prochain comme soi-même. Et il arrive un temps où j'ai le droit de me protéger parce que tu n'as pas fait ta part. Et là, parfois, il faut que je fasse le deuil d'une relation quand je regarde en avant. Mais aussi qu'il faut reconstruire la confiance, des efforts, des relations qui vont demeurer. Si je regarde vers l'avant, j'ai besoin d'avancer et d'aller dans l'effort de reconstruire la confiance dans ma relation. Mais je choisis, avec l'aide de Dieu et la confiance en sa justice, de ne plus vivre dans le passé. C'est un choix qui est difficile, qui est tellement difficile, qui n'est pas humain. J'ai besoin de l'aide de Dieu parce que c'est une étape de confiance en Dieu. De remettre la personne qui m'a fait tellement mal, l'injustice que j'ai vécue, et de me souvenir, Seigneur, toi, tu as tout vu. Tu l'as vu, toi. Tu as vu l'injustice qu'on m'a fait vivre. Et je vais te faire confiance dans ta justice, dans ta droiture, mais dans ta grâce aussi. Tu vas rendre les gens redevables devant toi. Moi, je veux être libre. Aide-moi à regarder vers le futur. Aide-moi à me détourner
de mon passé pour regarder vers le futur. Je comprends l'impact du passé sur ma vie, mais je choisis de regarder vers le futur, d'aller de l'avant. Pourquoi? Pour être libre. Pour être libre de la prison du passé, de marcher dans la vie en abondance que Jésus me promet. Encore une fois, le psychiatre français Boris Cyrulnik a dit ceci. On ne devient pas normal impunément quand le fracas nous contraint à la métamorphose. Alors on se tricote une résilience et le blessé de l'âme, ni acier ni surhomme, transforme sa souffrance en œuvre d'art. Il transforme sa souffrance en œuvre d'art parce qu'il a été blessé dans son passé. Il y a plusieurs années de cela, Nelson Mandela, après avoir vécu plus de 25 ans en prison, et non seulement, c'était presque 27 ans en tout, là, non seulement il était en prison, mais il était en travaux forcés. On lui a imposé des travaux forcés. Et c'était la raison de sa culpabilité, c'était des raisons politiques, c'était des raisons raciales. C'était d'une grande injustice. Et pendant plus de 25 ans, Nelson Mandela va être emprisonné injustement. Et le jour de sa libération, le jour où il s'apprête à quitter la prison, voici ce qu'il a dit. « Alors que je me tiens devant la porte de ma liberté, je réalise que si je ne laisse pas ma souffrance, ma colère et mon amertume derrière moi, je serai encore en prison. » Je serai encore en prison. Nelson Mandela avait réalisé qu'il devait laisser des choses derrière lui, les injustices qu'il avait vécues, les remettre entre les mains de Dieu. Et Nelson Mandela va faire une étape de plus. Il va mettre sur pied la commission de la vérité et de la réconciliation dans le pays lorsqu'il va être élu comme président de l'Afrique du Sud. Et alors qu'il est élu, il met en place la commission de réconciliation et de vérité, où les gens ont le droit, c'est des salles où on vient et on confesse nos manquements, on confesse ce qu'on a fait pour être réconciliés, les Blancs avec les Noirs. Et de ce fait, Nelson Mandela, à cause du chemin du pardon, a empêché une guerre civile d'éclater en Afrique du Sud. Et il a ramené la réconciliation dans un pays qui était terriblement divisé. Pourquoi? Parce que Nelson Mandela avait choisi de sortir de sa prison. Il ne voulait pas rester dans sa prison de colère, dans sa prison d'amertume, dans sa prison de rancune. Il a choisi de sortir de sa prison. Tu vois, le pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Le pardon, c'est une action qui nous libère. C'est d'une grande noblesse, c'est d'un grand effort, mais c'est de choisir la liberté. Es-tu en prison ce matin? Es-tu en prison ce matin? Prison d'amertume et de rancune parce qu'on t'a terriblement fait mal. Prison de colère, peut-être même d'un souhait de vengeance dû à la douleur, à l'injustice que tu as souffert. Je t'invite au pardon ce matin. Je sais combien c'est difficile. Je sais combien c'est contraire à toute notre nature humaine. Je le sais. Mais demande l'aide de Dieu pour t'aider à pardonner ceux qui t'ont offensé. Demande-lui cette aide. Donne-lui ta colère. Donne-lui tes sentiments. Donne-lui ta peine. Donne-lui ta rage. Donne-lui ta douleur. Donne-lui. Et abdique ton droit de te venger. Remets la personne entre ses mains. La personne qui te fait mal, remets-la entre ses mains. Et vois s'il est possible ou non de reconstruire une relation. Peut-être que c'est possible, peut-être que ça ne l'est pas. Mais de remettre la personne entre les mains, d'abdiquer ton droit de vengeance. Et sors de ta prison pour être libre. Sors de ta prison pour être libéré. Et contrairement à ce que Boris Cyrulnik a dit, que c'est nous qui allons créer une œuvre d'art à travers nos souffrances, j'aimerais te suggérer de laisser Dieu transformer ta souffrance en une œuvre d'art. De laisser Dieu prendre toute ta souffrance, toute ta colère, toute ta peine, toute ta douleur et de la transformer comme lui seul peut le faire pour créer une œuvre d'art dans ta vie. Une œuvre d'art qui va glorifier qui il est, qu'il en recevra
toute la gloire et tout l'honneur. Sors de prison aujourd'hui. Demande-lui son aide. Il est là pour t'aider à pardonner, à laisser aller. Pas que ce n'est pas arrivé, pas de nier les injustices que tu as vécues, mais de remettre entre les mains de Dieu. Si tu me permets, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute aujourd'hui, tous ceux qui écouteront en ligne plus tard. Seigneur, tu vois qu'il y a des gens là, qui ont beaucoup, beaucoup de souffrance, ils ont des douleurs, ils ont vécu des injustices, des abus, des choses tellement douloureuses. Et Seigneur, ce message est dur pour eux, parce que tu les appelles au pardon. Et Seigneur, parfois on a l'impression, lorsqu'on pardonne la personne qui nous a fait mal, c'est comme si l'autre personne avait gagné. Parce qu'on n'a pas eu cette soif, notre soif de justice n'a pas été rencontrée. Mais Seigneur, je te prie que tu nous éclaires par ton Esprit Saint de voir que lorsque je pardonne quelqu'un, je ne suis pas en train de nier ce que la personne me fait. Je ne suis pas en train de dire que la personne n'est pas coupable de ce qu'elle me fait. Je suis simplement en train de dire, Seigneur, je remets la personne entre tes mains et ta justice pour que je puisse sortir de la prison, de l'amertume et de la rancune. Seigneur, donne-nous discernement à tourner la page et à regarder vers l'avant et de voir est-ce que la relation peut continuer parce qu'il y a un effort de l'autre côté pour rétablir la relation ou est-ce que je dois faire le deuil d'une relation. Donne-moi ce discernement. Et Seigneur, je te prie que tu puisses te glorifier dans nos vies à travers nos blessures, à travers nos souffrances. Que Seigneur, tu vas nous tricoter une résilience à l'épreuve. Mais surtout, tu vas créer une œuvre d'art qui saura te glorifier autour de nous. C'est dans ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Amen et amen. Merci d'avoir été là ce matin. On rejoint l'équipe de louanges pour un dernier chant. Et maintenant, je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois. Je vois l'amour. Ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que cette réunion vous a parlé, que ça vous a béni. C'est vraiment un privilège pour nous d'avoir eu Daniel Descaries ce matin, qui nous a partagé sa sagesse, son expérience aussi. Honnêtement, on est vraiment chanceux de l'avoir eu. Exactement, puis on vous encourage vraiment à mettre en pratique le message qu'on vient d'entendre. Faites-vous ce cadeau, libérez-vous en pardonnant à quelqu'un ou en demandant pardon à quelqu'un, ça peut vraiment faire une différence dans votre vie. Exactement. Dès maintenant, l'after commence. On met le lien directement dans les commentaires. Puis prenez cette opportunité-là pour aller communiquer avec quelqu'un, aller parler avec des gens. Parce que c'est ça aussi l'Église, hein? C'est la communauté. Donc, manquez pas cette chance-là. Exactement. Et restez connectés tout le long de la semaine. Il y a vraiment de la ressource pour vous, pour grandir dans notre foi. Et aussi, on continue notre thématique la semaine prochaine avec Pasteur Claude. Mettez ça à votre agenda. C'est tellement important d'avoir ce rendez-vous du dimanche pour qu'on puisse continuer de vivre l'Église ensemble. Tellement important. Et sur ce, on vous souhaite bonne semaine. Une excellente semaine.